Ouais, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour épandre l'engrais sur le blé. Le premier apport d'engrais. Là on voit le blé là, il a un pentalage. Faire un apport. C'est un peu gras mais c'est ferme. Ça va se faire, ça colle un peu. Pour l'instant j'ai pas essayé. On va faire le premier tour, on va commencer et ouais, je pense que ça se fait. L'autre jour j'ai fait le tour à pied, voir comment ça portait pour pas s'enfoncer, pas se planter. Ça, c'est comme je dis, c'est humide mais c'est ferme. Du coup ça doit vouloir se faire. Je voulais le faire l'autre jour quand ça a gelé, sauf que j'ai pas eu le temps. Donc voilà, là, aujourd'hui j'ai le temps, il n'y a pas de vent pour l'instant. Donc il fait les bonnes conditions pour le faire. Prévoyez de la pluie, c'est tout bénef. Donc là j'ai réglé l'ouverture 19, bon ça fait à peu près je crois qu'on est à 40 unités ou 50 unités d'azote pour 50 unités d'azote, premier rapport. J'ai mis de sac maintenant que j'y ai fait les ridelles. Donc normalement les 8 hectares et demi là, je les fais pas entières, mais il me manquera pas beaucoup. Les pointes et puis après voilà. Tant qu'on y est, on peut aller voir. Le labourque, il s'est travaillé, mais d'une façon, il y en a une semaine de gel complète là, où il y avait des fois ça descendait pas, ça redescendait pas. Donc on peut voir, là, une tape dedans, c'est de la poudreuse, le bordel. C'est la farine, ça fait. Là, on a des blocs et on n'a plus. Donc ça, cette année, il y a eu du gel, donc ça va bien se reprendre si les conditions sont bonnes. Si les conditions futures sont bonnes, normalement, ça c'est bien se reprendre. Donc allez, c'est parti. On va commencer à épandre. J'ai fini pendant l'engrais, j'ai même nettoyé le tracteur, j'ai nettoyé tout, enlevé toute la poussière de l'engrais qui peut rester parce que c'est corrodi. Nettoyé le plus gros de la terre qui restait sur les roues, sur le tracteur et tout ça. Comme on peut voir, le reste s'est mis sur moi quoi. Donc, voilà,
on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Pourquoi, pour quelle vidéo, je ne sais rien encore. Mais on verra bien. Allez, ciao.